Il n'y a plus rien qui va parce qu'on n'a plus de charbon et que j'ai pas encore mis en place ma production d'énergie complémentaire. Bon, bah il faut creuser du charbon quelque part, il faut essayer d'en trouver. Je vais laisser en pause là pour éviter les problèmes. Alors on en a pas mal ici, hein. C'est vrai que j'avais déjà commencé ici. Si on libère l'hydrogène là, c'est un peu embêtant parce qu'il va finir par arriver dans la base, mais... Je dirais à un moment, donner nécessité fait loi, hein, donc... J'aime bien une petite citation comme ça de temps en temps. La chlorine, ça, c'est pas trop grave, on peut... on peut s'en accommoder. On va aller creuser... partout le charbon ici. En priorité, carrément en neuf, il faut y aller là. Il est absolument. Poser tout ceci. C'est pas du charbon, je sais pas trop ce que c'est, on va le prendre. Ça c'est du charbon, là c'est de la bissalite, là c'est de l'or, très bien, très bien. Un peu dommage de creuser ces bonnes lilies par contre. Je devrais les laisser si j'étais... On va les laisser. Alors en plus, comme je vais... C'est embêtant, quelque part, des fois, il faut éviter de déranger les habitats naturels. Parce que bah, ces bols mili, c'est mes sources principales de médicaments. Et quand elles sont dans leur environnement naturel, bah, elles vont tout le temps produire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt une porte ici. Et ça, on peut creuser du coup. Mettre une porte pour éviter les problèmes. Alors, ça ne les évitera peut-être pas, hein, mais... Ah mais non, mais j'ai creusé là. Non, là ça n'ira pas. Annuler ceci. Normalement la diagonale, je peux la laisser. C'est à l'intérieur. Si je fais ça comme ça, sans que je vais faire une boulette. Toujours commencer comme ça. Les petits pourris de hatch là, ils produisent pas assez, mais c'est trop petit hein, comme élevage. J'ai vraiment fait petit. Devrait produire. Bah, ils produisent sûrement, mais pas des masses. Pas assez pour les coûts. Il fait beaucoup de consommation de charbon quand même, c'est clair. Oula. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Qu'est-ce qu'on a dans le coin pour construire? On a du granit, on a du granit, ok. Vite, vite, vite. Vraiment se grouiller maintenant sur ce truc là, il faut terminer ça, vite, 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 très vite. Ça, on s'en tape à la limite, ça faut terminer. Je suis un peu inquiet là, je dois vous dire. Il faut terminer ça aussi, ils pourront alors faire ça en manuel. Déjà sur 7, ok. Parce que là, il n'y a plus rien qui marche. Donc c'est très gênant, parce qu'on produit plus d'oxygène non plus. Le 0% d'immunité pour ceux qui viennent d'arriver, c'est X-Fire. Il est sous traitement. On n'est pas inquiet pour lui. Ça devrait aller. On n'est pas trop inquiet. Oula, non, non, reste là, pardon. Je me suis trompé. Il est...
Voilà, il sera guéri dans même pas une journée si tout va bien. Disons dans une journée il devrait pas y avoir de problème, ça devrait être fini. Donc ce qu'on veut ici c'est absolument du gaz naturel. Ici, idem mais c'est pas encore construit. Ok, ok. On attendra bien encore un petit peu. Tu me détruis ça, tu fais... Oh, mais les autres sont faits, génial. Logiquement, ils vont venir travailler, hein, s'il y a besoin. Ça devrait être bon. Alors, un œuf tropical, on va peut-être le laisser celui-là, parce qu'il commence peut-être à être un petit peu vieux, les autres. Évidemment, faut pas que je déterre ici, hein, ça n'ira pas sinon. On va annuler ça, on va annuler ça. On peut laisser ainsi. Donc on est revenu au niveau du charbon à... Est-ce que c'est... À 7 tonnes 6, ça me permet de voir un peu venir. Allez petit gars, vas-y. Fais tourner. Pour le stress 31% max, ça va encore, c'est qui? Diafnor. Ouh, je souffle déjà un petit peu plus. Si quelqu'un pouvait venir quand même terminer, ce serait bien. C'est la nuit, tant pis. 44 000 kilocalories à manger, ça tourne plus ou moins bien. La nouvelle ferme, ça va encore, on va dire. Il y a de l'eau, tout ce qu'il en faut. Faire gaffe à ce qu'on remonte pas jusque là et qu'on bouche complètement notre possibilité de nettoyer l'eau. On risque même d'arriver à boucher les toilettes si on continue trop à remonter. Tilou 190, salut à toi, merci pour l'abonnement. Pour l'instant, ça va. C'est pas forcément facile à équilibrer ce genre de choses. Et globalement, c'est pas trop mal. Alors attention, il faut qu'on ait toujours de la nourriture ici. C'est des algues, ah oui, c'est vrai, ils bouffent des algues, ces machins-là. On a plus qu'une tonne. On a plus qu'une tonne alors que... Oui, on va réduire un peu le nombre de poissons, hein, ils sont un peu trop... Ici, on va récupérer pas mal, d'accord. Bon, je vais pas en demander plus pour l'instant parce que je veux vraiment finir ceci. Mais après, on va réduire tout doucement le nombre de poissons parce que j'ai besoin de moins de... Je vais le manger celui-là d'ailleurs. Besoin de moins de chaud maintenant, moins de coquilles. Un tropical. Puisque, bah écoutez, de l'acier maintenant, on en a quand même pas mal. Toujours ce problème là. Maintenant, on peut mettre ceci, ça devrait aller après. Non, quand même, je pense que là ça va aller, c'est pas possible. Le Wizworth, il a un coup de chaud. Il est à combien là? 52 degrés. Ça va encore. On mettra quelques plaques pour mieux échanger peut-être la chaleur entre... ça coûte cher. Ça coûte tellement cher. Je peux pas le faire là, tiens. Ah, il y en a déjà, j'avais déjà mis, d'accord, ok. J'ai pas vu, mais d'ailleurs j'en avais déjà. On va mettre ça là comme ça. Ça redémarre, hein, ça fait du bien à voir. Évidemment, nos petits clones vont devoir un petit peu être occupés à ça, mais je préfère ça plutôt que de perdre ma base.
Electronie, salut. Non, j'ai pas encore fini le montage avec les panneaux solaires. Ça prend du temps. Je vais construire le panneau solaire maintenant. Il est protégé au-dessus de manière à 100% par les portes de bunker ou les éléments de bunker. Donc ça, c'est pas un problème. On avance bien, ça c'est sûr. Enlever ceci. Enlever ça, il n'y a plus besoin. Et là, on aura la place pour faire notre panneau solaire. Je vais lui faire une base. Je pense pas que ça chauffe très fort le panneau solaire, donc on s'en tape un petit peu en quoi je la fais. Prendre mon élément qui apparaît ici. Je pense que du... la Ignus Rock, on devrait en avoir dans le coin qui traîne. Il y a de la bissalite, mais ça, on va pas l'utiliser pour ça. Il y a du granit, 5 tonnes 5. Oui, ok, on va faire en granit. Regardez ce qu'il y a comme élément autour de ce que je vais construire. C'est pour éviter les allers-retours, simplement. Voilà le socle. Donc ici, ça j'avais déjà réglé, c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre. Non, la bissalite ne résiste pas très bien au choc des météorites, mais ce qui se passe c'est que quand tu t'occupes pas trop du truc, les météorites quand ils explosent laissent de la régolite. Donc après s'ils tombent sur de la régolite, ils vont casser la régolite et ça devrait pas trop creuser. Si on regarde ici, il y a quand même une bonne couche. J'ai pas l'impression que c'est diminué, mais il y a peut-être des endroits où, en fonction de ce qui arrive, ça va peut-être diminuer, mais... je pense que de là à ce que ça perce la couche normale de... d'abyssalite de l'astéroïde, il devrait pas y avoir de... ça prendrait vraiment beaucoup beaucoup de cycles, quoi. Je veux dire, logiquement, ça devrait aller. Dans le pire des cas, il faut faire alors des cases de bunker tout au-dessus de la base pour éviter les problèmes. Ça peut toujours se faire. Ce serait horriblement long, mais ça peut se faire. Alors, j'aimerais bien récupérer un petit peu de minerai de métal. Ce que je trouve le plus facilement maintenant, c'est le fer. Donc, on va sans doute se focaliser là-dessus. Bon, faut pas 300 000 non plus, mais j'aimerais bien pouvoir récupérer un peu quand même. Il y a du charbon intéressant ici aussi, c'est pas compliqué à aller chercher. On va prendre comme ceci. On a également du minerai de fer, on va le prendre. Ça devrait aller ainsi. Bon, il y en a là, mais il y a des poches que j'ai pas envie d'ouvrir. Beaucoup de charbon ici. Pour les ressources qui s'épuisent, il y a quand même moyen, en cherchant un peu sur la map, de trouver des poches. Voilà, plus tard on pourra aller ici, mais j'aimerais bien d'abord finir ça. Oui, Diafnor, j'ai déjà dit plusieurs fois qu'il y avait un débris qui causait de la chlorine, mais c'est... j'arrive pas à le bouger en fait. C'est de la bleach stone et je ne trouve pas comment la stocker en fait. Je sais pas pourquoi il... Je sais pas pourquoi il veut pas le mettre dans mon... Je ne trouve pas en fait l'endroit où ça se trouve. Tout simplement. J'ai déjà regardé plusieurs fois et je... je trouve pas, mais si vous savez, dites-le moi, comme ça je réglerai le... le stockage. Alors l'immunité, c'est bon, X-Fire est sauvé. L'immunité va remonter tout doucement. Quand elle sera bien remontée, on viendra peut-être nettoyer tout ceci. Globalement maintenant, grâce à ceci, on a de l'oxygène. On devrait avoir moins. Ouais, on en a quand même encore pas mal, mais un peu moins. De Slime Lung. On en a quand même encore pas mal. Ce qui serait bien, ce serait de virer aussi tout ce... ça, je pourrais pas le virer, il y a une quantité incroyable, je veux dire, je pourrais rien faire. Ou j'ai l'impression que je peux rien faire pour l'instant.
intérêt à un moment donné de produire peut-être des algues pour pouvoir nourrir les poissons. Et également pour nous, parce que voilà, on tourne quand même un petit peu avec le désoxydeur aussi. Dans le pire des cas, on peut utiliser l'eau du geyser. Je pense que ça baisse bien, mais il va bientôt se rallumer, j'imagine. Ah non, 24 cycles avant la prochaine activité. Oui, alors du coup... en fait, on a quasiment plus de... Quasiment plus d'eau. C'est peut-être le moment de... Venir combler un peu ici. Faire remonter un peu le niveau de l'eau ici. En fait, peut-être qu'avec un geyser d'eau, de vapeur, on a assez pour faire tourner un électrolyseur, mais peut-être pas plus. Du coup, si je veux en mettre un deuxième, c'est pour ça que je vous disais aussi qu'il ne faut pas avoir trop de duplicants. Si je mets des nouveaux duplicants, il faudra absolument que je vienne utiliser l'autre geyser ici. Je pense. Oh, c'est consumable or. Oh bah alors, cool. Merci Electronie, merci beaucoup. Alors où est-ce que je vais la mettre? Ça produit de la chlorine. J'avais dit que je ferais peut-être un bac à chlorine ici, d'ailleurs il y en a déjà. Ça va finir par déborder, cela dit. Je sais pas trop ce qu'on va en faire. En tout cas, pour l'instant, on va la bouger. Effectivement, c'était là. Bon, j'avais pas imaginé que ce soit ça, mais c'était ça. Alors, gaz naturel. Et sélectionné, ça prête à confusion. On croirait qu'il était sélectionné, mais il l'était pas. C'est bien que celui-là soit rallumé, hein. Très, très bien. Et là, c'est bientôt terminé. Berlioz propose de les mettre en bas de la base, là où j'ai les germes. C'est pas con. Ça pourrait faire un tampon avec... Après, si j'ai trop de chlorine, elle finira par remonter. Mais ça peut se tenter, hein. De toute façon, on est là pour faire des tests aussi, donc je trouve ça vraiment une super bonne idée, en fait. Une super bonne idée. Je vais la mettre ici, mettre le stockage ici, peut-être, près de la porte, pour ne pas devoir aller trop vite, trop souvent. Là. On va le mettre là. Très très cool idée. Qui avait eu cette idée-là ? C'était H. Berlioz. Je te remercie, je trouve ça sympa. On va essayer ça. Je vais enlever l'autre. Qu'est-ce que j'ai mis ici, moi? D'accord, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais soit. Et... On va tout enlever ici. On va plus rien mettre dedans. Tuyau bloqué, c'est plein? C'est plein. Très bien. Alors là, ça marche pas parce que l'automatisation me dit sans doute que mes batteries sont suffisamment pleines. C'est bien, on est revenu dans le vert, hein, au niveau de ma production d'énergie, c'est cool. La chlorine monte par rapport à l'oxygène dans le jeu. Il faudra éviter de descendre pour rien, mais a priori on n'a pas de raison de descendre. Hein. Puis si on ouvre vraiment très rarement, c'est pas encore trop grave. Là c'est qu'on va ouvrir systématiquement pour venir en mettre dedans, mais de la bleach stone on va pas en trouver non plus tout le temps. Donc on va toujours faire ça comme ça, je pense que ça devrait pas être... Je préfère avoir de la... comment dire...
de la chlorine dans ma base que de l'air pollué ou du slime lung, honnêtement. Accélère parce que tout ça prend du temps. On a beaucoup d'ordres, faut que je me calme. Ça c'est bien, ça c'est pour éviter que mon aquatuneur se pète à chaque fois. Donc la station de contrôle de puissance, elle est manipulée par un clone et elle consomme du fer. Voilà, elle est manipulée ici par Crazy. Elle met une micro-puce et là, c'est parti. Ça fait exactement... Je sais pas, ça doit augmenter la productivité des trucs ici, mais... Bon là, il est de toute façon éteint. Moi je pense que la chlorine elle descend effectivement Jérôme dans les pièces où elle est avec deux. Bon, on verra ici de toute façon. On atteint un peu la priorité. On peut même si on a un peu de chlorine, des petites poches, on enlever un petit peu pour qu'ils aillent la mettre là. Mais comme je l'ai dit avant, je vais éviter de donner des ordres pendant un petit moment. Sauf évidemment tout en haut parce que là ça m'intéresse particulièrement. Alors si la chlorine s'accumule ici par contre ça a plus pompé, ça risque d'être embêtant, mais je sais pas, on va voir comment... Oh mais... Je fais pas ça évidemment, l'automatisation ne fonctionnera pas. Là c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire de plus ici après? On peut déjà y réfléchir un petit peu, donc là on va mettre les panneaux solaires. Je sais, on va mettre de toute façon... Alors au début les panneaux solaires ne pourront pas marcher si je n'ai pas d'énergie pour ouvrir les portes, donc de toute façon il faudra des roues de hamster. Et il faudra une batterie. D'accord, donc ça c'est sûr, on va faire un étage en dessous je pense. Par contre, on est dans un biome de froid, ça c'est un peu embêtant. Les clones à moins 33 degrés, ça n'ira pas. Donc mes plans de venir ici, comment dire, via un système de tubes sans combinaison, ça va être un peu compliqué, mais faisable. En faisant ici de l'abyssalite pour bien isoler, et en injectant de l'air, simplement à température normale, permettra d'éviter de se geler les miches. Je crois que c'est faisable. On va faire une hauteur de plafond de 3 pour ce genre de salle, ce sera suffisant. Faire un genre de sas pour tuer les germes avec la chlorine, ça peut être, j'imagine, bien. Il faut trouver un endroit où ça se prête parce qu'elle ne veut pas forcément passer. Pas sûr que ça passe forcément par les sas uniquement. J'ai l'impression que ça passe quand même par les cases également. Donc pas forcément évident. Bon là ça passe pas, vous allez me dire. Mais là il y en a. Oui ça rentre peut-être quand on ouvre les portes, effectivement. Probablement. Alors l'oxygène ça va, le CO2 on est quand même assez haut. Toujours pas fini ici, bon. Là c'est du sable, c'est pas de la bleach stone. Mais j'en ai vu quelque part par ici de la bleach stone, non, c'est du sable aussi. Plus d'algues encore, c'est pas possible. On a trop de poissons, hein. J'arrête d'en reproduire. J'en garde que 2-3 après. Hein. De toute façon, ils font plein d'œufs, donc... On a un œuf normal et un tropical. On va changer de recette ici un petit peu. On va mettre les omelettes.
On est descendu à 43 000 kilocalories, c'est un peu inquiétant. Alors qu'on vient de... On a eu des récoltes il n'y a pas si longtemps. Espérons que ça aille. Bleu Cobalt, salut! Comment vas-tu? Ah, c'est bon, bon là ça marche toujours bien. Je suis quand même assez content en fait. Hein. Rien n'est parfait évidemment, mais... Je suis quand même content de ma base. Réparer, c'est toujours bien. Il n'y a plus de raison que ça pète maintenant qu'on a protégé par le haut. J'ai envie de donner des ordres tout le temps, mais si je le fais, ça n'avance pas, donc... On va attendre. Est-ce qu'on a plus de verre? On a 700 kg de verre, donc ça c'est pas un problème. Donc ce qu'on fera pour sortir tranquille de la base, c'est peut-être faire une porte sur le côté. D'accord? Une échelle qui monte. On sera donc en extérieur. Et alors... Un petit toit ici avec encore du bunker tile. Et on pourrait sortir sur le côté comme ça. Alors. Si je fais aller le toit jusque là, au pire on, jusqu'ici, on n'aura pas de... Voilà, si je fais aller le toit jusqu'ici, jusque là, on pourrait sortir tranquille. Faire des opérations ici s'il y a besoin, je sais pas. Mais c'est pas obligé, hein, je peux fermer ici tranquillement et je pense qu'il y aura pas de problème. Sans doute ce que je vais faire sera plus simple. Mais plus tard, si je veux le faire, on pourra le faire ainsi. Alors je pense qu'on va peut-être mettre déjà deux cases en plus à droite. On va avoir quand même une largeur de base pas trop trop naze. Pas terrible, pas trop trop naze. Les panneaux solaires, du coup, si je veux pas qu'ils dépassent, je pense qu'il faut que je les mette comme ça et que les panneaux seront bien en dessous. De l'ouverture. J'espère. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que je les mette. Est-ce qu'on a fini ici? On a fini ici. On peut y aller. Isoler. J'ai plus beaucoup là, on va mettre en granit. De toute façon, maintenant on a une bonne réserve. Il a dit, on a vu qu'avec un seul geyser, j'épuisais pour un seul générateur. Donc, ouais. On va pas faire un autre générateur pour l'instant. Enfin, je pourrais, hein, mais ça me paraît pas utile. Alors là, on n'a toujours pas de bleach stone. Si, on a 39 kilos. Normalement, dans le compacteur, ça devrait larguer la chlorine, mais j'en suis pas sûr. Au pire, je peux le vider, mais je pense que ça devrait la larguer. Elle émet 0 kg par seconde. On a 39 kg qui émet de la chlorine 0 kg par seconde. Bon, je sais pas, peut-être ça va... Il l'a ramassé, il l'a relivré dedans, de toute façon. On aurait pu mettre sweep only, éventuellement. Voilà. C'est fou, avec deux Wizwords, j'ai pas encore assez. Donc vraiment, ce sera utile d'avoir... de dégager ceci, le geyser de CO2 à moins 55 degrés et de faire ce système de refroidissement supplémentaire. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a surpression pardon, avec l'air pollué? On est à combien? On est quasiment à 2 kg, je pense que c'est la limite. On va laisser ainsi parce que j'ai pas envie. Alors si je creuse, ça va créer du vide.
Et donc ça va diminuer un petit peu la pression, je pense, mais... Ça va être compliqué quand même de faire baisser la pression comme ça. Bon, je vais laisser ainsi, mais c'est pas génial. Ah non, Jérôme, l'autre conteneur, j'ai empêché que la chlorine y aille, il est vide maintenant, on peut pas... On n'y accepte rien du tout, en fait. Okay, c'est parti. Et de nouveau, on a encore sans doute de la Bleachstone qui est ici. On va dégager tout. Alors, ça n'a pas beaucoup avancé ici, hein. Au moins qu'on puisse dire. Je vais mettre un générateur ici. On va mettre... Alors, je crains pas la chaleur, évidemment, puisqu'on est en biome de froid. On va mettre... une grosse batterie. Alors, est-ce qu'on va faire un système, du coup, qui va être indépendant au niveau de l'énergie du bas? Je pense que oui, c'est un petit peu loin, et j'aimerais bien essayer d'avoir un système qui est une base qui est indépendante, quasiment, en tout cas au niveau d'énergie. Le panneau solaire, de toute façon, lui, quand il marche, il fonctionne, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant s'il fonctionne quand les batteries sont pleines, a priori, puisque ça ne consomme rien à part de la lumière. La roue de hamster, c'est pour démarrer le cycle qui va demander qu'on ouvre quand même la porte au bout d'un moment. D'ailleurs, ça, on pourrait peut-être déjà commencer à le faire, mais je voudrais terminer ceci. Ah oui, c'est pas atteignable, évidemment. Évidemment. Alors, avant de faire ceci, il faut aller le terminer. Ok, on a 100% d'humidité, j'ai envie de dire, plutôt de... d'immunité. On a du fer, c'est pas mal, ici on peut récupérer, on va enlever ceci. Je vais aller dégager ceci. J'aime bien avoir des bases bien propres quand même. On va remettre un petit coup de pression au niveau de la santé, mais j'espère que ça ira. Alors je pourrais mettre un sas ici pour éviter évidemment que le Slimebug arrive, mais du coup ça annihilerait le fait que le CO2 qui est produit par le générateur puisse aller être dégommé ici en bas de la base, donc on va pas le faire. On a quand même deux désodoriseurs. Je fais ce que je peux. Alors un œuf en plus. Deux œufs même. Ils sont combien ici maintenant? Ils sont cinq? Mais je pense qu'ils comptent les œufs, je suis pas sûr. Alors ils sont cinq. Et ici on n'a pas d'œufs. On a le stone hatch et on a ici... Les stone hatch, ce qui m'embête avec eux, c'est qu'ils bouffent la nourriture. Donc c'est un œuf de quoi là? Le Sage Hatch justement, on va le bouffer. On va bouffer les deux œufs du haut. Je suis remonté à 100 000 kilocalories d'un coup. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les omelettes que j'ai commandées? C'est bien possible. J'ai switché de recette et j'avais peut-être pas mal d'œufs en stock en fait. Dans les cooking ingredients, j'avais peut-être des œufs. J'aurais dû vérifier avant, mais j'en avais sûrement pas mal. C'est plutôt une bonne chose, c'est une bonne surprise, donc on va pas s'en plaindre. Ah bah bravo. C'était bien utile.
Alors en algues, on a plus que 2 tonnes, il faut déjà que j'aille en rechercher. Hein. Ça va pas, il faut absolument produire de l'algue moi-même, sinon ça va plus aller. Ah, c'est dur la vie. C'est dur la vie. Alors pour produire l'algue, on peut déjà, pendant que ça avance, on peut regarder un petit peu ça tranquillement. Alors, est-ce qu'ils ont modifié ça? Le distilleur à algues, ça prend 600 grammes par seconde de slime. 120 watts, ça produit 200 grammes par seconde d'algues. 400 grammes par seconde d'eau polluée. D'accord. D'accord, ok. Alors, est-ce que... Jobmaster, est-ce que l'eau polluée, ça sort par tuyau ou est-ce que ça sort directement? Ça, j'en suis pas sûr. Egon, salut à toi. Merci pour l'abonnement. Alors, Crazy. Mineur confirmé. Est-ce qu'on le montrait également vers l'ingénieur ici? Pourquoi pas? Il peut opérer les machines aussi, ça peut être utile d'avoir quelqu'un qui est balèze là-dedans, mais je pense que je l'ai déjà monté. On peut pas le voir malheureusement. Enfin, si, on peut le voir, attendez. Ça se voit ici. Ouais, Crazy, il est là déjà. Je l'ai pas monté, on l'a fait monter jusque-là et puis j'ai oublié de le faire aller jusque-là, alors on va le faire maintenant. Bien. Bien ou plutôt bien, assez bien on va dire. Toujours le problème de chaleur ici, là je comprends pas. L'eau arrive à 26 degrés donc elle devrait rafraîchir la plante. On a le Wizworth à côté et la plante elle me dit qu'elle est à combien? Elle est à 30... Ah non, attendez. Elle est à 32 degrés la plante. C'est à cause du bac qui est trop chaud peut-être. La ferme, l'eau est à 32 degrés, d'accord, elle est à, ok, ça va, c'est à cause d'en dessous alors, 32 degrés, d'accord, pourtant la chaleur elle vient pas d'en bas, il fait plus frais, là je comprends pas, ah c'est peut-être le fertilisant qu'on met dedans, oh le fertilisant est à 37 degrés, c'est débile alors, je veux dire, on est censé avoir un avantage en fertilisant, mais si vous fertilisez, vous tuez vos plantes. On va arrêter de fertiliser les Bristol Blossom, mais ça ira beaucoup mieux. Pas ce que je peux faire d'autre. Alors, ok, ça donne un bonus de croissance. Même si là c'est pas indiqué. Mettre en pause 2 secondes. Ça va m'éviter de consommer du fertilisant. Moi je vais arrêter quoi. C'est, pour eux c'est embêtant, ça chauffe trop. On va l'arrêter. Alors, est-ce que j'ai assez d'eau pour en planter d'autres? Peut-être. Peut-être, pour l'instant, je préfère éviter. Parce que ceux-là vont reprendre vigueur, donc ça devrait repartir de plus belle la croissance. On a enfin presque terminé ici, ça a pris énormément de temps. C'est du fertilisant Monsanto. Il a ses inconvénients, on va dire, effectivement. Là. Excellent. Donc avant qu'on ait le job, on regardait la distillation. On peut. Oui, il y a une sortie d'eau, d'accord. Sortie d'eau.
Enfin, j'ai l'impression. À moins que ça sorte. Je me semble me souvenir que l'algue tombait directement sur le sol, je sais plus. Je peux essayer de la construire quelque part, mais j'aimerais bien être sûr de ce que je fais avant de la faire. Et j'aimerais bien également faire une salle automatisée parce que j'ai pas envie que mes petits duplicants doivent aller travailler sur le slime. J'aimerais bien faire une base, enfin une pièce ici quelque part qui s'occupe de traiter et de raffiner avec un sweeper qui vient ramener alors l'algue directement aux endroits où on s'en sert. Ouais, je pourrais baisser les désodoriseurs effectivement pour couper un peu l'oxygène pollué plus bas. Je vais pas le faire. De toute façon, du slime lung, il y en aura toujours, mais c'est parce qu'il vient de là, mais est-ce qu'il va... On va pas de toute façon dans la cuve, je m'en fiche si elle est polluée, c'est normal. Hein. Il y a l'eau polluée qui est dedans, je pense que ça n'a pas grand-chose. Alors souvenez-vous, on avait coupé le réseau ici, on est passé à combien? 2700 max, mais 480 en réalité, 600 max, c'est bon. Vous voyez comment ça recouvre, hein. J'espère que ça va fonctionner ici. Est-ce qu'on a... Alors si on a 200 kg d'acier, je vais quand même faire ici un peu le toit, on va avancer un peu. Ah merci Vivi le brutal. On a tout juste 200, donc on va se priver, on va le faire. On va prendre un peu d'espace, un peu d'ampleur supplémentaire. Voilà, je vais attendre que le mec ait construit l'échelle avant de casser celle-là. Et ensuite on fera les portes de les cases de bunker. Ok. C'est toujours pas fini ici non plus, hein, donc. On a un peu le temps. Maintenant, plus j'aurai de gens qui vont maîtriser le. Ils vont maîtriser le port de la combinaison. Pour l'instant, il n'y a que Diafnor. C'est pour ça aussi que ça va pas vite. Ok, cool.